Dans un saladier, je fouette les œufs entiers avec le sucre pendant 3 minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite l'extrait d'amandes amères et puis mon yaourt ou ici du fromage blanc. Je verse ensuite l'huile d'olive. La farine et la levure. Et je termine par la poudre d'amande. Une fois bien mélangé, je verse cet appareil dans un moule à tarte renversée, beurrée et farinée. Et j'enfourne pour 20 à 25 minutes dans mon four à 180 degrés. Je sors ma tarte du four, elle est bien dorée et pendant ce temps, je prépare mon curd pendant qu'elle refroidit en faisant chauffer le beurre et le jus de citron. Ensuite, je blanchis les œufs et le sucre. J'ajoute la maïzena, je fouette de nouveau. J'ajoute ensuite le beurre fondu. Je reverse dans la casserole. Je remets sur le feu et je fouette jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Je démoule ma tarte, mon fond de tarte plutôt, sur mon plat de présentation. Je verse mon curd de citron. Et à l'aide d'une spatule, j'égalise la surface. Je laisse refroidir le temps de préparer ma meringue. Pour réaliser ma meringue, je cuis le sucre avec l'eau jusqu'à 110 degrés. Quand j'arrive à 110 degrés, je commence à monter mes œufs en neige avec une pincée de sel. En vitesse 2-3 pendant environ 10 minutes. À 118 degrés, j'arrête le feu. Je verse le sirop en filet sur mes œufs. Et j'augmente la vitesse du fouet. Et je fouette jusqu'à complet refroidissement. Une fois ma poche à douille garnie, je vais maintenant déposer ma meringue pour réaliser les pétales de ma fleur. Je passe maintenant à la décoration. Pour ça, je coupe un citron en deux, puis le reste en très fines tranches. Au plus mes tranches seront fines, au plus ma fleur sera fine et facile à réaliser.